We do not want Kofi Olomide to enter this country. So until we hear from government that they have stopped him from entering the country, or if he turns up on the shores, they will bundle him up and deliver him with love to Zambian authorities who are looking for him, where there is a warrant of arrest out for him. We will be set. Wow. I'm excited to be in South Africa for you. On 28th of June, I'll be with Ndombolo with Churchill in Johannesburg, 28th. 30th of June in Cape Town for you. The biggest show you have never get in Cape Town. Be with us. All my band, Katilaten Band, Churchill Band will be there for you. Vive Churchill. Salutations à vous, abonnés de www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Bolowa, l'international, en direct de Cape Town. Et je suis très ravi d'être reçu par les grands managers. Il va se présenter dans ce beau cadre ici qu'on appelle les Bouddha. Et One VIP Club ici au milieu de Long Street à Cape Town. Et un lounge qui fait quand même la fierté et surtout que ce sont nos compatriotes congolais qui sont dans le management. Alors, grand merci à vous qui allez suivre cette émission. Je suis heureux pour parler un peu de l'évolution du concert. C'est annulé ou n'est pas annulé, bon, on n'arrive pas à comprendre. Il y a des rumeurs, il y a des newspapers, il y a des news TV. Ici en Afrique du Sud, les gens disent que non, Kofi Olomide a rebetaté et on est à quelques jours du 28 juin et puis le 30 juin de l'indépendance de notre pays. Alors, j'ai le plaisir de recevoir un des project managers de cette production. Ce sont eux qui devaient normalement organiser ces concerts. Alors, tout solennellement, Mouké, si c'est vrai que le concert est annulé ou pas. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, monsieur. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Ah, ok. Bon, par le respect, nous vous honorons quand même. Permettez-moi d'éteindre le micro pour vous. Ok. Ah. Alors, la présentation à ceux qui nous suivent au travers le monde. Oui, moi, je m'appelle Hervé Pemba. Je vis à Durban. Okay. Je travaille avec M. Kaya Moucha. Mm-hmm. C'est moi qui suis le project manager des productions. Mm-hmm. Donc voilà quoi. Bon, en fait, M. Hervé, l'idée est venue d'abord comment? Pour entrer dans la production musicale, produire des Africains, des Congolais, avant d'entrer même dans notre artiste que nous aimons bien et qui fait la fierté de la musique congolaise, Kofi Olomide. Mais la production, en fait, l'idée est venue. Bon, en fait, la production, elle est venue de... Puisqu'on a vu comment la musique congolaise ne cessait de croire. Et il se fait que ça fait 10 ans que la musique congolaise, on était pratiquement au top. Vous pouvez voir, quand on regarde les choras, quand on regarde les grands prix, quand on regarde les disques en diamant, les disques platine, c'était les Congolais qui étaient au top. Mais il se fait qu'avec cette histoire qu'on a eue dans notre pays, le gouvernement qui était contesté, on a compris la bataille de nos confrères qui se battaient à côté, à l'extérieur. Oui, mais bon, maintenant, là, on a un bon président qu'il faudrait soutenir, qu'il faudrait redorer le blason qui a été terni de la RDC. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, essayons de nous sacrifier. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais bon, on s'est dit, essayons de nous sacrifier pour que la musique congolaise reprenne encore sa place au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial. Oui, c'est ça. Okay. Vraiment une bonne initiative, une bonne idée. Et pourquoi vous avez seulement choisi Kofi Olomide? Bon, avec le grand Mopao, Kwata, que je salue en passant, c'est une histoire d'amour d'abord. Okay. Mon partenaire, qui est aussi mon patron, Kaya Moucha, il y a des sentiments d'amitié avec le grand Mopao, qu'il aime beaucoup. Il a toujours adoré sa musique, la personne et tout. Donc c'était d'abord par rapport à cette relation qu'ils ont avec Kofi Olomide. Et puis ensuite, c'est pour
c'est pour promouvoir la musique congolaise. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas commencer avec le plus grand? Parce que sans distinction, le grand Mopao, c'est celui qui porte l'étendard de la musique congolaise. Ça serait peut-être ma prochaine question. Pourquoi c'est moi pointé du doigt à Mopao? Et surtout que, comme on dit en anglais, c'est heavyweight. C'est vraiment un poids lourd de la musique congolaise. Et je me suis demandé, mais M. Hervé ainsi que M. Kaya, vous avez pu quand même tenir à supporter le poids de Mopao? Un renommé, quelqu'un qui est icône, la musique touche la couche internationale. Vous avez un bon opinion, surtout quand il s'agit de cachet, qu'on appelle cachet. Bon, Zalaki. Bon, comme vous savez, j'ai été employé. Moi, je suis le project manager. Mbongweza, le producteur, quand il a voulu mettre Kofi, donc il a pu peser ses poches. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais aussi, le grand Mopao a été très, très, très coopératif. Et puis bon, il voulait aussi venir en Afrique du Sud, parce que ça faisait plus de 25 ans au dernier Kora. Mm-hmm. Je ne sais pas, ça remonte peut-être à 17 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça, il a été longtemps qu'il ne s'était pas produit en Afrique du Sud. Donc il voulait encore... ce mariage avec le peuple sud-africain. Voilà. En fait, l'initiative de produire Kofi Olomide, ce n'est pas seulement pour la communauté congolaise, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas limité à faire plaisir aux mélomanes congolais. Donc, vous avez allé au-delà de la communauté congolaise, c'est pas ça? Mais si vous m'avez bien suivi en premier lieu, donc c'est... la musique congolaise, c'était ça même l'étiquette de la musique africaine. Donc, on voulait reprendre notre place qu'on a perdue. Et cette place, avec l'Afrique du Sud, donc, quand on a voulu emmener le grand Mopao ici, c'est parce qu'il y a nos frères congolais qui sont passionnés de sa musique et surtout le peuple sud-africain, puisque c'est sur le territoire sud-africain. Et vous allez voir, la plupart des gens qui ont acheté les tickets VIP ticket ou bien les autres tickets, c'est des Sud-Africains. Okay. Oui, c'est des Sud-Africains. Et certains de nos frères congolais, ils sont venus, ils sont en masse, je ne vous dis pas. Il y a une, il y a Jojo qui est venu, ils ont acheté 50 billets. Donc, allez-y comprendre que c'est quand même un grand icône, quoi. Je salue Jojo là où tu es, les grands patrons, les boss, les grands boss. Il a acheté au moins plus de 50 billets. Il y a Yemoko, Yemoko a son billet, donc, c'est là qui concerne moi, Makasi. Donc, ça allait quand même. Jojo Nguena, Yayo Angwana, salutations, Yayo, vraiment, coup de chapeau. Alors, j'aime si nous allons y arriver. Maintenant, il y a quand même des légendes, des rumeurs, et même dans les réseaux sociaux, que Kofi Olomide, le concert est annulé pour une raison ou pour une autre. Et vous, en tant que la maison de la production, comment vous sentez pour le moment? Comment on se sent? On se sent un peu, pas lésé, mais bon, un peu déçu que certains de nos frères, par de petites différences de point de vue politique, de point de vue judgmental, comment je peux dire ça en français, de point de vue de jugement, ils ont voulu mélanger la politique à l'art, ce qui est vraiment très différent, très, pas très bon. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le moral est rentré au zen, ça je peux vous le dire, je ne suis pas d'ici, je suis venu ici. C'est parce qu'on a vraiment une très grande surprise pour nos amis, pour nos téléspectateurs. Donc, le grand Mopao va venir. Le grand Mopao va venir. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand? Bon, ça, je préfère. Vraiment, merci beaucoup à vous, les grands patrons, les producteurs, M. Kaya, et nous vous saluons. Un coup de chapeau encore pour l'initiative. En fait, on comprend quand même les soucis. En discutant avec vous, je crois que vous avez un bureau. Vous vendez qu'ensemble, vous discutez. Pour nos ongles, ça a quand même couleur et la musique. Il y a Congo, Kopé Sapé sous valeur, la musique congolaise. Oh, et peut-être Trébané, Kobunga, Pouézo Bunga, Malé, Mbé. Les téléspectateurs vont contredire Bissoté, que Fali Poupa pour le moment.
côté musique congolaise yinda zo tombola mwa muke bendele et mon pas opali quand même komatisa ngo quel que soit tout ce qu'on a dit comme des accusations ainsi de suite mais quand vous dites que ya mon pas azoya lobi zo bomba azoya na lipanda awa les 30 awa tonne parce que tout le monde a des réseaux sociaux qui s'est cancellé même place au Boluka Bobuka Kikuna c'est cancellé na midren pouti jobour il y a je crois il y a quelques heures auto qui takalamingité c'est aussi cancellé. Vous étiez là, comment étaient les sentiments d'abord des places des venues là où on avait beaucoup je veux porter d'abord un correctif. OK, merci. Le concert de Jobour n'a pas été cancellé, a été reporté à une date ultérieure. Donc ça, c'est pas une cancellation. Cancellation, c'est quand il n'y aura pas de concert. Pour celui de Cape Town, on a changé de venue, qui sera un autre endroit. On a seulement essayé de, parce qu'il y avait des tensions. On est congolais. La musique, vous voyez même quand il y a des palabres à la maison et tout, mais quand vous mettez la musique, ça adoucit les nerfs, ça, c'est tout le monde qui est dans la quiétude. C'est pour ça même le bon Dieu, pour être checké, qu'il bouge sur son siège, c'est quand il y a la bonne musique. Donc on a voulu emmener de la bonne musique le jour de notre indépendance ici. Bon, malheureusement, bon, certaines personnes ont trouvé que non, c'était peut-être quelque chose. Bon, on respecte leur vision, mais qu'à cela ne tienne, je voulais faire un appel à nos frères. C'est vrai, on a des divisions politiques, des divisions qu'on peut appeler comme on veut. Mais bon, à la fin, c'est notre culture qu'on est en train de bafouer. Cette culture, on est en train de la jeter. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver toujours dernier, après dernier, après dernier. Pourtant, on a de très bons talents. Et ces talents, on doit leur aider à atteindre un certain paroxysme. Oui, s'il vous plaît. Ah, ok. Dans nos sinon, téléspectateurs, on va juste... I'm excited to be in South Africa for you. On 28th of June, I'll be with Ndombolo with Chachu in Johannesburg, 28th. 30th of June in Cape Town for you, the biggest show you have never get in Cape Town. Be with us. All my band, Kati Latin Band, Chachu Band will be there for you. Vive Chachu! Voilà, merci la régie, merci pour cet élément. Je crois que Jésus reçoit pour vous celui qui est chargé, le directeur de la production de notre frère compatriote Kaya. Et ce sont eux qui voulaient encore amener, raviver encore la musique ou la culture congolaise au travers de la musique ici en Afrique du Sud. Bon, quand cela ne tient, il y a quand même, comme on a dit tout à l'heure, des tensions. Nous ne voulons pas entrer dans des détails là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est que la production en question, la maison de production, ils ont reporté la production de Johannesburg à une date ultérieure. Pour Cape Town, ici en Afrique du Sud, ils pourraient quand même nous donner, si c'est possible. Ils ont aussi changé de venue, ça ne sera plus les 30. Non, ça ne sera plus les 30. Malheureusement, ça ne sera plus les 30. Okay. Donc, on a préféré le 30 ne rien faire. Vous dire quand est-ce que la production de Grand Mopao va se faire. C'est l'intimidation, j'utilise bien le mot l'intimidation, de nos compatriotes résistants, combattants qu'on les appelle, que vous avez pu reporter ou annuler la production du 30 juin. Pendant que je suis en train de faire un boulot pour nourrir ma famille, et pour nourrir certaines personnes, puisque à partir de cette production, combien de nos frères congolais allaient avoir quelque chose pour ramener à la maison? Pas seulement ramener à la maison, mais puis bon, dans l'esprit aussi, ils allaient voir aussi le grand Mopao. Donc allez-y comprendre que non, voilà, on n'est pas intimidés. Mais par contre, moi j'appelle mes frères qui... Non, ne soyons pas divisés.
Vivons, regardez comment vivent nos frères nigériens. Regardez comment vivent nos autres frères rwandais, burundais, qu'on se le dise comment. C'est des gens qui sont unis. Nous, Congolais, si on pouvait être unis, on ferait une grande force dans ce pays. Donc que cette division nord, sud, est, ouest, on doit les arrêter, s'il vous plaît. Donc on est là, on ouvrira les portes à tout le monde. Amener les suggestions, on va voir comment on va travailler ensemble. Mais bon, on n'est pas intimidé. Ça, moi, je peux vous dire, c'est un pays de droit, donc les plaintes ont été faites, les investigations sont en cours. Mais malheureusement, donc, vous voyez, c'est même fait. Nos enfants sont amis, nos enfants sont cousins, ils vont dans les mêmes écoles, donc ce ne serait pas très bien. Donc, essayons de mettre de l'eau dans nos verres de vin et de nous tolérer. Il faut une tolérance, s'il vous plaît. Il faut une tolérance à tous nos amis compatriotes congolais qui sont branchés connectés dans www.congodialogue. Je reçois pour vous M. Hervé, qui est chargé de la production dans la maison Kaya Production. Et nos numéros sont à petit écran, des commentaires à faire, des questions à poser. Nous sommes la bienvenue à recevoir cela. M. Hervé, avant que je vous laisse un peu, par rapport aux allégations, il y a même dans nos chaînes de télévision ici, ils ont accusé notre artiste Koffi Olomide. Il est rapiste, il est ceci, cela. Il a des caisses au niveau des Zambie, il a des caisses au niveau de l'Europe, ainsi de suite. C'est l'une des raisons que ce ne sont pas nos amis résistants qui ont pu freiner le concert, mais ce sont plus ces allégations-là qui disent que non, Koffi Olomide n'a pas le droit d'avoir même le visa de faire son entrée ici en Afrique du Sud. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant de ça, mais bon, comme le dit toujours le grand Mopao, vérité et Amine Lukuta et Yaka na ascenseur, mais vérité et Yaka na escalier. Donc, dans quelques jours, vous connaîtrez la bonne vérité et l'honnête vérité. Donc, ce qui s'est passé aux médias, vous savez qu'il y a un board, comment on appelle ça en français encore? Un bureau d'études, ils sont en étude aussi, avec ce qui s'est dit sur les médias. Donc, ne vous en faites pas. Comme je l'ai bien dit, la vérité, elle va arriver. Elle peut prendre son temps, mais elle va arriver. Notre artiste, qu'on aime beaucoup, a été blanchi. Il est humain comme nous, il a eu des petits déboires aussi et là, mais bon... Il est humain comme nous. Il y a certains artistes, grands artistes, avec beaucoup de preuves, mais qui viennent ici en Afrique du Sud. Et pourquoi pas le grand Mopao, qui a été blanchi par le gouvernement français, Amine, par les institutions françaises. Donc, non, vous en faites pas, tout va redevenir en ordre. Oui. Donc, tout va redevenir en ordre, vraiment. Le grand Mopao, qu'on dit, Koffi Olomide. Donc le côté qu'on a n'ombang on est censé mais vérité malimbe et qu'on a n'ango na quatre escaliers pour recommander niveau n'ango comme vous avez dit que donc vérité au final toujours pas triompher. Monsieur Hervé, le concert de Johannesburg est postponé et reporté à une date ultérieure. Cape Town, vous avez changé de venue. Ça sera comment? Vous allez venir annoncer cela? Vous pouvez encore garantir à nos téléspectateurs, nos mélomanes, les amoureux, la musique, à Koffi Olomide, c'est pour quand? C'est pour très bientôt. Comme vous le savez, donc on doit travailler sur ça, donc c'est pour très bientôt, je vous donne ma parole. Et puis pour le grand Mopao, ma big fan, je vous verrai dans une semaine, on va se voir à Kin, on va manger un bout et puis on va parler de tout ça. Donc, courage. Voilà, mon père, yo, mon. Ce qu'on a battu les spectateurs, oh yo, on a battu mourir à musique, on a battu sommeil, battu ticket, on a battu. Quel est votre arrangement à ceux qui ont déjà acheté le billet et se disent que bon, ah, le concert est cancellé. Vous allez rembourser l'argent. Vous allez garder. Ils doivent garder les billets. Un message pour ces téléspectateurs ou bah, le mélomane. Ok, pour nos chers clients, nos chers invités, parce que moi je les appelle invités quoi. Pour nos chers invités qui ont acheté déjà les billets,
je peux leur garantir que non, voilà, ils peuvent prendre le même billet, aller chez Computer Ticket et ils vont récupérer leur argent. Ça, c'est number one. Number two, je veux dire à tous les coffee-files, hein, c'est comme ça que oui, et les coffee-ettes, que très bientôt, vous allez voir le grand Mopao et très bientôt, votre artiste sera lavé de toute cette horreur qui plane sur lui. C'est un chic type. On va se voir. Salutations, peut-être à ceux qui te connaissent, à la toute la maison, Bouddha, VIP, tout, tes fans aussi, tes travailleurs, tes collaborateurs à Durban et puis ici à Cape Town, pourquoi pas à Johannesburg. Oui, je salue d'abord M. Kaya pour cette opportunité. C'est un ami, c'est un frère et puis c'est un patron. Donc, salut à him. Bon, on est noté. Bon, oui, mais ça, on est en train. Non, dans le sens que, bateau, on n'a pas bondi ça, en fait. Mais ça, patron, on lui doit du respect. Je salue encore Jojo Ngwewa, à tous mes fans, à tous mes amis, à le Kinshasa, Lubumbashi, Djobu, Cape Town. Et je salue ce beau cadre. C'est très fier, hein? Très, très fier qu'on ait un bel endroit comme ça et qu'on se dise que c'est le fruit d'un Congolais. Vraiment. Donc, mes amis, travaillons dans la main dans la main. Tu sais, même pour être béni, tu dois avoir un bon cœur. Pour que Dieu te bénisse, tu dois avoir d'abord un bon cœur. Quand tu vois la bénédiction de l'autre, tu dois dire que Dieu soit béni. Amen pour ça. Et c'est pour ça que tu vas avoir ta bénédiction aussi. Donc, essayons d'être unis. C'est mon dernier mot. Essayons d'être unis, c'est le dernier mot de Monsieur Hervé, à moins que vous puissiez encore une autre, voir une autre mais pendant 2-3 minutes que j'ai conclu l'émission. Vous êtes la bienvenue. S'il y a d'autres messages ou un autre mot à nos compatriotes congolais. Je vous garantis, c'est ici qu'il y a eu chez Temba à l'époque, mais la manière dont M. Kaya a modifié cet endroit, tu n'as pas l'idée. C'est un Congolais compatriote qui bat sa vie dans son coin. Il a beaucoup de gens. J'ai circulé un peu le VIP ici, mais c'est... vous n'allez pas croire que c'est en Afrique du Sud et c'est un Congolais qui own, comme on dit en anglais, qui est le propriétaire, le boss, le MD, le manager director de cette VIP ici. Il a des Sud-Africains, il a des Blancs, des différentes races qui travaillent sous sa direction. J'étais impressionné, je le voyais de loin, mais quand je suis entré ici, on m'a fait le tour de round, il y a je ne sais pas combien de niveaux ici, la classe des Sud-Africains, des Blancs, des Indiens, ils travaillent sous sa direction. Vraiment, c'est quelque chose quand même à louer et c'est un peu encouragé, les Congolais, les compatriotes, les il y a aussi des Congolais que j'ai vus, donc ce n'est pas seulement des Banamboka, il y a aussi nos frères Congolais, ils travaillent partout, ils un peu dans le département Ebélé. Et c'était un VIP Oyo. Si vous êtes de passage en Afrique du Sud à Cape Town, Long Street, avenue Bout numéro 4, juste quand on a Long Street ou on a Cape Town, Long Street est Yebani. Et je crois numéro est VIP Togochon, on a petit écran, juste tu voulais quand même te divertir, vous êtes la bienvenue. Yakoya Kolek, ça quand même mon pépé, na Katia Kadre Oyo. Un bon whisky. Un bon whisky, frère. Du bon frère. Voilà, toutes les questions que vous avez, vous m'aviez posées par rapport à la production Kofi Olomide, dont les concerts n'aura plus lieu les 30. Johannesburg s'est reporté à une date ultérieure. Cape Town, ce qui est vrai, venant de la bouche de M. Hervé, Kofi Olomide viendra en Afrique du Sud. Quand? Vous allez toujours avoir la réponse au travers de nos émissions dans Congo Dialogue. Merci à vous, merci au patron Kaya, merci à Jojo Ngwema. Hein? Jojo Ngwema. Jojo Ngwema. Bon appétit. Madame de la Belgique pour la coordination de cette émission. Merci à Francis Mambongo les bourgeois. Merci à Prof Bellon. Merci à Chris Vangadio. Tu es un peu dans le cadre bientôt. Mon papa Kaya Musika, mais c'est quelqu'un qui est abordable. Hein. Vraiment, c'est un compatriote. Personnellement, j'étais impressionné de son accueil. Vraiment impressionné par rapport à ce que j'ai entendu. Mais c'est quelqu'un qui est abordable. Hein.
accessible et puis à cela bien. Il m'a dit quand même que c'est parmi les gens qui soutiennent s'il y a des problèmes dans les communautés congolaises. Mais c'est quand il y a un peu de gens qui sont en train de soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors soutenons-nous quand même, évitons un peu, mettons un peu nos indifférences à part et voyons un peu la bonne cause. La bonne cause est que la musique congolaise puisse prendre la place qu'on a connue, naba courant, wana tout ça, mais pour le moment, totika enasima. Voilà, des commentaires à faire, des suggestions à faire, vous êtes la bienvenue, nos numéros sont à petit écran. Jusqu'à la prochaine numéro, bye.